Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, oui, au fond des ports. Il naviguait en perpénal sur la grande mare des canards, et ça fait les copains d'abord. C'est fluctuant, net, mergitude, c'était pas de la littérature, non, des plaies aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de sang, nommés Gomorre, ceux de mes Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toutes voiles dehors, toutes voiles dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confus dehors, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leur balançait des SOS, on aurait dû tester ma foi, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin, quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sol, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grande mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Rendez-vous à Crône.